nous venons sur la terre. Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Cela se révèle par les choix que nous faisons ici-bas. Cela se révèle par les choix que nous opérons ici-bas. Oh, oh, oh. La la la, la 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 la. Un jour je me suis placé sans force personne. Bus après bus, chacun criait sa destination sans force personne. Oh oh oh. La la la, la 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 la. Volonté et le dessein de Dieu a une résurrection. There is a requirement if you want to be resurrected. Il y a une exigence si vous voulez être ressuscité. You have to live the will of God. Vous devez vivre la volonté de Dieu. You have to fulfill the purpose for what you are here. Yeah.
Vous devez accomplir le destin qui vous amène sur cette terre. Master, my dignity was wondering. Est-ce que je peux encore prêcher le message sans le frère Barouti? My hope I was leading on Pastor Barouti. Mes espoirs se reposaient sur le pasteur Barouti. All right, but Pastor Barouti is going to read the expression tonight. Tonight, lorsque j'ai lu les expressions cette nuit, oh, I said I'm going to bring the message. Je me suis dit, je vais prêcher le message. Je vous parle de moi, j'étais malade.
36 years ago, il y a 36 ans de cela, physician gave me a. Alors les docteurs m'ont abandonné. There is nothing to do for you. Il n'y a plus rien à faire pour toi. I'm talking about what I know. Je parle de ce que je connais. Je suis allé à l'église. Parce que vous savez, le travail des démons. If you can do that, si vous pouvez faire ça, the demons get a time from God. Mais je ne veux pas me fatiguer de Dieu. Everybody thought it was the end. Tout pensait, tout le pensait que c'était fini. He sent me to see another physician. Il m'a envoyé voir un autre docteur. That is a specialist of eyelid, just this eyelid. C'est un spécialiste juste des paupières. For the eastern coast of America. C'est pour la côte est de l'Amérique. He said, well, I don't know what to do. Il a dit, bon, je ne sais quoi faire. But I will try. I'm going to inject your product in this eyelid. Mais je vais introduire un produit dans cette paupière. But you have to sign because the product is not meant to be injected in the eyelid. Mais tu dois signer une décharge parce que le produit là, ce n'est pas vraiment pour les gens. Je dis ok, amenez-moi, je vais signer tout ça. Alléluia, il y a Dieu. À la fin, en tout cas, ça c'est trop pour moi. Je t'envoie encore un autre docteur. They made over 40 tests. Ils ont fait plus de 40 tests. Couldn't find anything. Et ils ne trouvaient pas, c'était quoi le problème? I said. Excuse me, even if I don't preach, that's fine. I just want to testify about the pastor. Même si je ne prêche pas, je veux juste témoigner du pasteur Marouli. I said, if I can again interpret Pastor Marouli, I will be healed. Je me suis dit, si je peux tout simplement interpréter le pasteur Marouli, je serai guéri. I'll tell you why. Once I interpret Pastor Marouli in Charlotte. Une fois j'ai interprété le pasteur Marouli en Charlotte. Mes frères, I feel like I was in the furnace. Je sentais comme j'étais dans une fournaise. The heat was coming out of him. La chaleur, il dégageait la chaleur. Je vous dis la vérité, je lève ma main devant Dieu. Je me suis dit, si je peux encore interpréter le pasteur Marouli, je serai alors guéri. I don't go to Texas. Je suis allé au Texas. 3 minutes later. Après 3 minutes, I have a call, there is Dr. Jesus. On m'a appelé, il y a le docteur Jésus. In Texas. Le docteur Jésus est au Texas. 3 minutes after, après 3 minutes, now you tell me that this is not. Maintenant, dites-moi que Dieu n'existe pas. I went to interpret Pastor Bruce. Je suis allé interpréter Pasteur Bruce. I was here interpreting. J'étais en train d'interpréter. I'm not going to be here. Après, l'assurance que je serai guéri. Et après ça. Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Cela se révèle par les choix que nous faisons ici-bas. Cela se révèle par les choix que nous opérons ici-bas. Oh, oh, oh. La la la, la 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 la. La 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 la. Un jour je me suis placé à un arrêt de bus en observant ce qui s'y passait. Un jour je me suis placé à un arrêt de bus en
en observant ce qui s'y passait. Après bus, chacun criait sa destination sans force personne. Bus après bus, chacun criait sa destination sans force. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Mon cœur est tellement dans la souffrance de parler aujourd'hui devant le cercueil du pasteur Baouti. Nous sommes de coco de pasteur Baouti et ça c'est l'hommage à mon coco. Pour nous aujourd'hui, nous disons au revoir à celui qui était plus qu'un compère à nos yeux. Il aimait se promener avec les enfants partout. Même si c'était juste pour aller au supermarché, il aimait promener. Il n'était jamais faible. Il toujours disait qu'il était fort, très fort, tous les jours. Il ne manquait jamais l'occasion de dire qu'il t'aimait, même si il était même un peu fâché. Merci beaucoup. Non seulement dire qu'il nous plairont, mais pour ma part, nous célébrons une vie, nous célébrons un homme qui mérite tout honneur et tout le respect du monde. Et moi, je l'appelais mon général, celui qui commandait, celui qui donnait l'ordre. Et je peux ici témoigner encore. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit ici tout à l'heure, que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il pleura quand même. Et je crois que les larmes que nous faisons couler ici, pour nous autres, c'est des larmes de reconnaissance. De savoir ce qu'a été cet homme, dans son humanité et dans sa spiritualité. Je devais acheter quelques pièces de rechange, tout ça. Et au retour, j'avais 2 ou 3 cartons là. Alors le pasteur voulait m'aider à prendre mes colis. Ça m'a tellement bouleversé, je lui ai dit, ça je ne peux pas accepter. Vous êtes mon père et mon pasteur, tu ne peux pas prendre mon colis. On a discuté et... je finis par ne pas céder, mais ça m'avait frappé. Quelle humilité de m'aider jusqu'à prendre mes colis. À partir de ce jour-là, j'avais compris que nous avons un pasteur qui est un homme spécial. Amen. Aucun pays ne peut te refuser de commencer une église. Et voici Baouti Tabernacle qui est là. C'est grâce à cette petite communauté religieuse que nous sommes en train de célébrer la vie de notre papa qui est parti. Puisque nous étions une église que le frère pasteur Baouti visitait à l'occasion, je sens qu'il y a tellement de gens ici qui pourraient prendre la parole, mais on a insisté. Alors, j'aimerais donner mes condoléances à la famille, aux membres de l'Assemblée, à tous ceux qui étaient proches. Au nom de l'Assemblée Lumière du Soir, à Warden, près de Grimby, je suis avec l'ancien pasteur André Morin avec moi, qui est André, lève-toi. Pour ceux qui se souviennent, celui qui a écrit la biographie, qui est revenu au message. Nous serons du roulant au Congo en octobre pour qu'il puisse raconter son témoignage, comment le Seigneur l'a ramené. Amen. J'aimerais juste dire un petit mot. Le pasteur Baouti est venu
prêcher à notre assemblée quand frère André Petit était pasteur. Il était là hier. Il est venu ici prêcher une semaine de réunion sur la guérison divine et enseigner les gens. Il est venu prêcher aussi chez nous quand j'étais pasteur. Et j'aimerais dire quelque chose comme l'autre pasteur a dit tantôt, comment qu'il pouvait vous faire sentir spécial et que l'amour qu'il dégageait envers nous nous faisait sentir comme quelqu'un de vraiment spécial. Il pouvait, quand on l'invitait, on sait qu'il était un homme occupé, il venait dans cette petite église dans l'Estrie et nous accordait tout son amour, toute son attention. Et il avait cette capacité, on pouvait savoir qu'il était un homme important, un homme aimé, un homme très occupé. Mais quand il était avec nous, il nous faisait sentir vraiment spécial. Une qualité, je pense, qu'on a raconté de frère Branham. Qu'il pouvait, quand on était avec lui, on ne sentait pas qu'il était de cette hauteur te regardant comme ça. Mais il avait vraiment cette qualité aussi d'élever la foi des gens et d'amener Jésus sur la scène dans une simplicité pour élever la foi des gens afin que les gens puissent vraiment recevoir quelque chose du Seigneur. On a été bénis par son ministère et une fois de plus, je veux vous dire que Dieu vous bénisse. Ayez du courage, comme notre frère a dit, tantôt pour la suite des choses, que le Seigneur vous inspire et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Shalom, que Dieu bénisse richement. Quand nous venons, je m'en vais présenter ici pour la terre des humains. Pour les gens de Dieu place en chacun sa destination. Je par la terre. Un des grands dons de l'humanité, le Seigneur. Une âme remplie de Dieu. Et moi, le Seigneur Jésus-Christ, pour un enseignant par se révèle avec les prédications animées de la dynamique et de l'onction. Aimé de tous, apôtre d'amour, oui, Dieu se voyait dans ses gestes et faits. Et il m'a aidé
même financièrement, pour que moi et ma famille, nous soyons arrivés aux États-Unis. Alors, je suis vraiment dans la joie d'avoir approché un grand homme de Dieu de son rang. Il était vraiment humble. Une fois, on était à Dallas, à la maison. On devrait aller à Walmart. Maman Faux, je ne sais pas si vous encore se souvenir. Pendant qu'on sortait, c'est Béga qui a ouvert la voiture pour nous pour qu'on ait dit. Maman Faux dit non, papa. Pas jusqu'à ce niveau. Donc, sa main est passée. Quand vous êtes avec lui, c'est comme si c'est vous qui êtes plus grand que lui. Ah, on a vécu des bons moments ensemble avec lui, c'est difficile. Mais c'est Dieu qui l'a permis. Je peux m'arrêter là. Jusqu'à 2h du matin, il a dit, tu es mon fils, je ne peux pas rester à la maison. Viens travailler. Vous savez, je n'étais pas habitué avec lui, mais c'était étonnant quand même. C'était la première fois pour moi de le voir comme ça aussi proche. Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Cela se révèle par les choix que nous faisons ici-bas. Cela se révèle par les choix que nous opérons ici-bas. Oh, oh, oh. La la la, la 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 la. Je me suis placé à un arrêt de bus en observant ce qui s'y passait. Un jour, je me suis placé à un arrêt de bus en observant ce qui s'y passait. Sans force personne. Bus après bus, chacun qui est sa destination sans force personne. D'un bus correspondait à celle d'un client, il montait tout de suite. Chaque fois que la destination d'un bus correspondait à celle d'un client, il montait volontiers. Parfois même il se bousculait pour être sûr de ne pas rater ce bus précieux qui doit les emmener. Parfois même il se bousculait pour être sûr de ne pas rater ce bus précieux qui doit les emmener. Oh, oh, oh.
Shalom, peuple de Dieu.